Une pléiade d'artisans expose de part et d'autre de l'avenue des Douches Morades des objets faits main. Une aubaine pour ces artistes de se rapprocher du grand public. Le boulevard, voilà. On a le dessin sur verre. Qui m'a que tu fous le produit terri. Tout est fait à la main, au crayon. Le remplissage, le cernage. Il y a plein de monde. Là, on a la saison estivale. C'est tout le monde qui sort. Il y a les émigrés, les Aïchines, France, un peu partout dans le monde. Même des étrangers. Personnellement, je travaille le bois. Mais je développe la céramique inspirée du patrimoine. Donc je fais des objets utilitaires pour la maison, c'est des sous-plats, et en même temps c'est des cadres, on peut développer en cadre. Il y a plusieurs coloris, plusieurs modèles. Pour cette fois-ci, pour animer l'artère principale d'Alger, Kharjouna à l'extérieur. Là, le contact est plus facile, plus rapide avec le citoyen. Un mouvement entamé il y a quelques semaines dans l'une des plus belles avenues d'Alger, visant à mettre en avant le patrimoine culturel et valoriser les métiers d'art. Les traditions, mais ils hiouent le bled, ou ils hiouent l'asal de l'Algérien. Le touriste, oui, il dit, il aime les choses de la tradition. Mais il dit, il a la modernité de bled. Malgré la technologie et tout, il est venu ici pour changer. وباش يعرف الحضاره تاع الجزائر حنا الحمد لله عندنا التوارق عندنا القبائل هادو باش تحيي الحضاره تاعهم لازم تبيني سي تري جولي سي تري بو اي سا في بليزير فوالا Allant de la dinanderie à la poterie en passant par le cuir, le client a l'embarras du choix. Des objets travaillés avec dextérité révèlent tout le talent du maître.